15, un programme qui affiche le mot le plus long qui se trouve dans un texte. Afficher le mot le plus long. On va voir quel est le mot le plus long ici. C'est celui-là qui a trois lettres. Tout le reste a une lettre ou deux lettres. On va aller dans fichier 15, le mot le plus long. C'est plutôt simple. On va d'abord lire tout le fichier. On va lire tout le fichier et retourner les lignes. Puis avec ces lignes, on va créer des mots. Sauf que lui ça va s'appeler mot le plus long, et là on va appeler la fonction mot le plus long. Je vais chercher le chemin d'accès au fichier, voici le nom du fichier, et comme je l'ai dit, on peut ajouter un chemin d'accès au fichier. On peut mettre C, Windows, User, Desktop, et si ça se trouve sur le bureau, où on met seulement ça, comme ça, ça va utiliser directement notre Working Directory. Ça veut dire l'endroit où on se trouve. Ici. D'abord, je lis toutes les lignes du fichier que je mets dans un tableau ligne ici, puis je prends chaque ligne et je le transforme en mot. Chaque ligne, je prends chaque ligne et je le transforme en mot. Et je mets tous les mots de chaque ligne dans le tableau mots. Puis ici, ils veulent qu'on compare les mots entre eux. Donc, on a déjà fait ça dans les exercices précédents. On va dire CTRL F, mots, ou le plus long. Cherchez le mot le plus long dans une chaîne de caractères. L'exercice 38. Nous l'avons ici. 38. Pour trouver le mot le plus long. Vous voyez ce qu'on fait? Nous allons refaire la même chose. C'est comme s'il nous donnait les mêmes exercices qu'avant, mais cette fois avec des fichiers. On doit lire des fichiers puis faire des trucs. On prend les mots, puis on suppose que le premier mot est le plus long. Donc on va copier ici plus long. On va supposer que le premier mot est le mot le plus long. On va mettre mot, le tableau mot, l'élément à la position 0 est le plus long. Puis on va traverser le tableau. On va lire ici de 1 à l'n de mots jusqu'à la fin du tableau. Et on commence à 1 puisqu'on a déjà pris 0 comme mot le plus long. On commence à 1. On dit if si mot.i. Si la taille du mot où on est supérieure ou égale à mot le plus long, alors ce mot-là devient le nouveau mot le plus long. Alors mot le plus long égale à
ce mot-là. Et à la fin, on fait print. Plus long. Plus long. Plus long égale à quelque chose. Et à la fin, on retourne. L'exercice 15. Hop. Ok, ici aussi, on va faire len. Hop, ici, qu'est-ce que je fais? Mot, ligne. Ok. Là, je peux mettre commentaire. Voyez, plus long égale à BBB comme spécifié, mais je peux transformer lui en plus long en ajoutant caractère comme ça. Le nouveau plus long, boum, c'est lui. Ou ici, on va faire en sorte que le F batte la concurrence. Boum, le nouveau plus long est lui. C'est la fin de l'exercice 15.